Oula. Voilà. L'ex-porte-avions français, un fleuron de la marine nationale, Foch. Vous vous rappelez? Bon, il n'est plus en service, évidemment. Il a été vendu aux Brésiliens en 2000. Et là, il est au milieu de l'océan, hein, à 315 km des côtes brésiliennes. Voilà, ça risque de devenir une catastrophe écologique. Personne n'en veut, personne ne veut le démanteler. Il est là, au milieu de l'océan. Voilà, il se passe rien. Bon, ok, c'est bien pour vous dépanner, hein. Je veux bien le reprendre, mais bon, merde, quoi. Chérie, va falloir faire de la place dans le garage. Non, parce que je viens de racheter l'ex-Foch, le porte-avions. Enfin, il y a bien des trucs à récupérer dessus, des grilles pour faire un barbecue, des pics pour mettre des brochettes ou je sais pas. Et puis au pire, hein, je le mets sur le bon coin, on le revend, et puis c'est tout. Ah, tout un cinéma là, oh là là, il faut prendre une décision, et puis c'est tout, voilà, c'est tout. Non, et puis quand même un peu de respect pour le général Foch, quand même, il fait partie de notre patrimoine, de notre histoire. Attends, c'est quand même un mec, le général Foch, il a fabriqué une avenue à Paris, quand même. Merde, alors, oh et oh.